Salut à tous, c'est Just Sora. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Super Pancake. Bien, salut tout le monde. Et donc ça va être la vidéo de présentation. Alors là on n'est pas en live, on est en différé. La vidéo de présentation donc du Choc des Noobies, une nouvelle série qu'on va mettre en place avec Pancake, donc dont il a eu l'idée. Alors tout simplement déjà je vais commencer par vous présenter le défi sur lequel vous voyez le gameplay tout simplement. Ça fait beaucoup tout simplement. Donc c'est le défi Uzi et Cola, donc sur Mob of the Dead. Alors j'explique les règles vite fait. Vous devez prendre bien sûr la mini Uzi. Vous n'avez pas le droit de prendre la boîte si elle est dans. Bah, si elle a spawné ici. Vous pouvez prendre Speed Cola et vous avez le droit d'activer le piège. Ensuite, donc vous devez tenir le maximum de manches. Et en cas d'égalité de manches avec un autre adversaire, ça sera les kills qui feront la différence tout simplement. Alors maintenant donc je vais laisser Pancake vous expliquer le concept du choc des noobies et puis après je reprendrai pour faire la fin vite fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette petite série, ça faisait pas mal de temps qu'avec Sora, on voulait faire des vidéos ensemble. Beaucoup de gens nous ont demandé comment est-ce qu'on allait faire, étant donné qu'on n'était pas sur les mêmes consoles. On a pas mal réfléchi, on a pensé, excusez-moi, à reprendre le concept de Kenshin et Pro X Legend sur la mort subite, dont je pense que vous connaissez, c'est des vidéos assez connues qu'ils ont fait ensemble. Et on va y apporter quelques améliorations. Pour faire simple, toutes les 1 à 2 semaines, on va faire un défi en live sur Mumble ou sur Skype, et on commentera en même temps. Et sur la vidéo qui sera postée sur nos deux chaînes, il y aura les deux gameplays. Donc, par exemple, à droite, il y aura le gameplay de Sora et à gauche, le mien. Celui qui fait le plus de manches et de kills, donc les kills, c'est imaginons qu'on fait le même nombre de manches et celui qui fait le plus de kills qui gagnera un point et l'autre restera au nombre de points qu'il avait avant, tout simplement. Donc, jusque-là encore, c'est un petit peu identique à la mort subite, mais les modifications qu'on a voulu y apporter, c'est de faire participer les abonnés. Donc, tout simplement comment dire, la première semaine, on va faire un défi tous les deux. Imaginons qu'on fasse un défi random, je vais dire les first room ferme mange 20. Je donne un exemple complètement au hasard. Aléatoire. Voilà, aléatoire. Les abonnés, donc, que ce soit sur PS3 ou sur Xbox, vont essayer de faire le meilleur score possible, tout simplement, et de nous envoyer donc, leur mode studio. Donc en ce qui me concerne, ça sera sur le PSN, vous ajouterez le compte qui s'affiche en ce moment même à votre écran. Et puis, bah voilà, j'irai voir votre studio, vous mettez tout simplement dans le message le nombre de manches et le défi correspondant. Puis j'irai voir votre studio et c'est celui qui fera le plus de manches sur le défi qu'on a fait avec Sora qui pourra faire la deuxième semaine un défi avec Sora donc pour l'abonné Xbox et un défi avec moi pour l'abonné qui est sur PS3. Et après, donc, c'est toujours pareil, on va faire un autre défi en coop, sur Mumble ou sur Skype, on enregistrera la converse. Cette fois-ci, il n'y aura que l'écran, qu'un seul écran, il n'y aura pas les deux. Je pense que ça va faire un peu trop lourd, t'en penses Ouais. quoi? Ouais, ça fera un peu trop lourd, je pense. Donc il y aura un seul écran et c'est le duo qui ira le plus loin dans le défi, dans le défi qu'on aura Proposer. prévu, voilà, qu'on aura proposé à l'avance. Bon, bref, on verra bien. C'est le duo qui ira le plus loin, qui remportera un point de plus. Donc imaginons que Sora, la première semaine, il me gagne, ce qui risque sans doute d'arriver, je ne sais pas. Donc voilà, imaginons qu'il marque un point, il y a 1-0 pour lui. Si après avec mon abonné PS3, on fait plus de manches que lui avec son abonné Xbox, pardon, sur le défi qu'on avait décidé, bah il y aura 1-1. Donc c'est un petit peu une petite guerre des consoles pour déconner, bien sûr, c'est totalement, voilà, c'est totalement Le fun, on est PC, là. La PS3 c'est mieux. Ouais, ok. Bon, je pense que t'as fait à peu près le tour. Alors moi, je vais juste parce que toi, t'avais donné les modalités pour t'envoyer les gameplays pour tes abonnés PS3. Et donc moi, je vais donner les miennes sur Xbox. Alors moi, comme vous le savez peut-être, ma liste d'amis est toujours pleine. Mais je vais faire un effort, je vais virer une personne. Là, c'est vraiment un gros effort là, attention Ouais, hein. et donc du coup, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'envoyer un message donc sur le Xbox Live. Je mettrai également mon GT à l'écran et dans la description si vous voulez vérifier. Et donc, vous devrez m'envoyer un message à ce gamertag en mettant à la fois donc le nom du défi, le nombre de manches et le nombre de kills. Et ensuite, vers la fin de la semaine, enfin vers le point de chute, on va dire, vers la date limite. J'accepterai en ami celui, enfin j'enverrai une requête en ami
à celui qui est premier, hein, qui est en première position. À ce moment-là, donc j'irai dans le mode studio et j'irai capturer son gameplay. Et à la semaine suivante, on fera le défi en coop. Vu que je l'aurai déjà en ami, ça sera plus facile. Voilà, bon bah oui, j'ai voilà, fait à peu près le tour ouais. aussi. Ça, ouais, ça, moi c'est à peu près pareil, sauf que c'est plus simple parce que j'ai un compte ouais. à part, étant donné que je suis sur PS3. Donc voilà, en ce qui concerne le premier défi pour la semaine prochaine, tu veux qu'on le dise maintenant ou on laisse... Ouais, on laisse la surprise, moi je dis non. Allez, pourquoi pas. Ça sera un défi sur MOTD. MOTD c'est une map où il y a pas mal de défis sympas à faire, donc je pense qu'on va pas mal la squatter. Je vais préciser un truc assez important, ça sera pas sur BO1, toute la série se passera sur BO2 étant donné qu'il n'y a pas de mode studio sur voilà. BO1. Pour ceux qui n'ont pas de boîtier d'acquisition, c'est trop galère, enfin c'est pas possible en fait. Donc voilà, j'espère que... Finalement en tout cas, j'ai... Limite on leur donne le nom du défi. Ouais, parce que tu veux qu'ils commencent déjà à faire enfin genre à se préparer, tu vois. Ah parce ouais, que, non, mais... je me suis dit, voilà. Non, mais là, nous, on va se faire dégommer, s'il te plaît. Ouais, bon, là, on dirait. J'ai rien dit. Ouais, parce que là... C'est Pancake qui veut pas vous dire. Ouais, si les abonnés commencent à faire le défi maintenant, nous, on va faire 20 manches dessus, ils vont arriver avec leurs 50 manches, enfin, c'est pour des noobies. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute manière, si on a oublié quelques petites informations, on les mettra dans la description. Je vais mettre la chaîne de Sora dans la description, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas sa chaîne, mais bon, on sait jamais. Excuse-moi, voilà. Mec, trompé une liste, n'importe quoi. Et moi, je te fais connaître avec mes potes et tout. Enfin bref, on s'en fout un peu. Je pense qu'on a tout dit, non? Ouais, voilà, j'espère que ça, que ça plaira aux gens. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, on répondra, parce qu'avec notre super présentation un petit peu à la Wally Game, je pense pas que ça a été très compréhensible, donc voilà, on répondra à vos questions dans les commentaires. Ok, bon bah vas-y, je vais laisser le mot de la fin à Pancake, et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Just Sora. Vas-y, hein, à la prochaine, c'était super Pancake. Bon allez, ciao tout le monde.